tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre minute santé consacrée aux médecines douces. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Serge Raffal, médecin généraliste et spécialisé en médecine douce. Et tout de suite, nous écoutons la question de Valérie. Valérie, 32 ans, demande comment savoir si on a affaire à un bon ostéopathe. Docteur Raffal, est-ce que c'est le bouche à oreille ou est-ce qu'il y a des critères bien précis pour choisir son ostéopathe ? Généralement, on choisit son ostéopathe par le bouche à oreille, c'est-à-dire sur les diplômes, sur l'expérience, sur la notoriété. Après, il y a une façon d'opérer le choix, ça va être un médecin ostéopathe, donc c'est des diplômes, c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs études de médecine. Donc ça, c'est une garantie d'efficacité et de sécurité ? C'est pas une garantie d'efficacité, mais c'est une garantie peut-être sur le diagnostic. Et à côté de ça, un certain nombre de kinésithérapeutes, par exemple, qui ont été formés à l'ostéopathie, qui ont une patte, parce que leur travail est un travail essentiellement manuel. Donc là, on a une autre garantie. Et puis après, il y a un troisième groupe d'ostéopathes, qui sont ceux qui font de l'ostéopathie donc pur. Là, il y a des décrets qui sont des décrets d'application, mais pour l'instant, je trouve qu'ils sont encore en train de se batailler, de se chalailler. Ouais, en tout cas, qui ont suivi une vraie formation et qui peuvent être de très très bons ostéopathes aussi. Qui peuvent être de bons ostéopathes, mais je dirais qu'en France, quoi, la garantie du diplôme médical, bon, il y a 7 ans d'études et le risque est moindre probablement de passer à côté d'une mauvaise indication, d'une contre-indication. Alors, quels sont les dangers d'une manipulation ratée, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on pense souvent à la fracture d'une vertèbre. C'est quoi les principaux risques ? Les accidents, je dirais, sont montés en épingle. Ils sont finalement assez rares par rapport aux accidents médicamenteux. Parce que entre un geste manipulatif et un anti-inflammatoire, je dirais que je crois que se faire manipuler. Il vaut probablement mieux se faire manipuler dans l'indication qui est l'indication de la manipulation. Manipulation ratée, bon, ça. Il n'y a pas de risque particulier. Il n'y a pas de conséquences particulières. Il peut y avoir. Il y a des accidents qui ont été décrits, mais les accidents ont été listés par des compagnies d'assurance et c'est un risque qui est vraiment extrêmement, extrêmement faible. D'accord, donc conclusion pour vous, c'est moins risqué de se faire manipuler que de prendre des anti-inflammatoires qu'on donne souvent d'ailleurs sans état d'âme. C'est moins risqué de se faire manipuler, surtout si on a bien choisi la personne qui va vous examiner et vous traiter. Très bien, merci docteur Raffal et merci Valérie pour votre question.